Alors on a trouvé deux tiers et un tiers, puisqu'il y a une proportion un quart qui va être éliminée grâce à la létalité, c'est-à-dire les individus qui portent le phénotype GG, grand G, G vont être mourir automatiquement, et on appelle ça la létalité. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo de génétique. Alors comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va entamer la létalité. Premièrement, j'aimerais dire que j'ai déjà traité dans des vidéos précédentes tous les lois de Mandel. La première, la deuxième et la troisième loi. J'ai déjà traité aussi des exercices, des différents cas de loi de Mandel. Les mono-hybridismes, le dihybridisme, etc. etc. J'ai déjà traité aussi le cas du codominance. Et donc aujourd'hui, on va traiter la létalité, Inch'Allah. Tout d'abord, il faut noter que la létalité est l'une des exceptions des lois de Mandel, c'est-à-dire que les lois de Mandel ne sont pas applicables dans le cas de létalité, c'est-à-dire qu'on trouve des résultats différents à celles qui sont prévues par Mandel. On va voir dans ce cours pourquoi et comment la létalité est une exception des lois de Mandel et comment elle influence sur les proportions. Des lois de mandel. Alors dans le départ, il faut connaître à la base qu'est-ce qu'un allèle létal. Alors un allèle létal, tout simplement est un allèle morbide qui entraîne la mort. Morbide, c'est-à-dire il rend malade. Cet allèle létal, généralement, il bloque, il bloque. Cet allèle létal, généralement, il bloque le déroulement métabolique d'une partie du corps qui est indispensable à la vitalité. De l'organisme. Soit il bloque l'activité du cœur, soit l'activité du système respiratoire, soit n'importe quelle activité qui est nécessaire à la vitalité de l'organisme. Donc, tous les individus qui portent cet allèle vont être mourir. Donc, vous notez que l'allèle létale, tout simplement, il entraîne la mort de l'individu, mais suivant deux cas. Puisque l'allèle létale peut être soit dominante, soit récessive. Dans le cas où il est dominante, s'il est dominante, les individus homozygotes et hétérozygotes ne sont pas vieillables, c'est-à-dire qu'ils meurent. Les individus, tous les individus qui portent l'allèle le, le, létale vont mourir automatiquement. Homozygotes et hétérozygotes qui portent l'allèle létale vont mourir. Par contre, le deuxième cas qui est le, le, le cas où l'allée létale est récessif, il va y avoir la mort seulement des homozygotes. C'est-à-dire, il va y avoir la mort de seulement des individus seulement qui portent le couple létal récessif. Donc, on va prendre quelques exemples pour que les choses deviennent claires. Alors, l'exemple qu'on va traiter, c'est l'exemple du premier cas de létalité qui a été découvert en 1905 chez les souris. Alors, le matériel de travail, bien évidemment, sont les souris. Le caractère qu'on va étudier, c'est la couleur du poil. Et on a deux couleurs, la couleur jaune et la couleur blanc. L'allèle responsable du couleur jaune, elle est notée « G ». Et l'allèle responsable du couleur blanc est noté petit b. Il faut noter que la couleur jaune est dominante et la couleur blanc est récessive. Alors, dans un premier temps, on a croisé deux parents hétérozygotes de couleur jaune, comme vous voyez dans l'image. Hétérozygote, c'est-à-dire qu'ils portent à la fois les deux allèles de couleurs différentes, allèle jaune et allèle B. C'est pour cela qu'elle est notée dans le génotype G et B. Et puisque c'est le jaune qui est dominante, c'est donc c'est la couleur jaune qui s'exprime. Et donc, la souris aura de phénotype jaune, comme vous voyez. Donc, ce croisement nous a donné une première génération qui se constitue de 3621 qui sont répartis en deux phénotypes le blanc avec 1235 et le jaune avec 2386 et avec des proportions 1 sur /3, 3 et 2 sur 3 et voici un exemple de calcul comment on a trouvé un tiers et deux tiers par une simple règle de 3 on a calculé les différentes proportions 2 sur 3 donc, on remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans ces résultats. Car, selon Mandel, il faut qu'on obtienne des résultats avec les proportions 3 quarts et 1 quart. 3 sur 4 et 1 sur 4. 3 sur /4, /4. 4 pour le caractère qui est jaune, qui est le dominant. Et 1 sur /4, 4 pour le caractère récessif, qui est le blanc dans notre cas. Donc, il y a quelque chose qui nous manque ici et qui n'est pas clair. Alors pour connaître pourquoi on a obtenu dans les résultats qu'on a trouvé 1-3 et 2-3, on va faire une interprétation à l'aide de l'échiquier de gamètes. Alors le, euh, premièrement, les individus qu'on a croisés sont des hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils vont donner deux types de gamètes, G pour le jaune et B pour le blanc, avec des proportions demi pour chacun des deux gamètes. Donc deux gamètes avec des proportions 1,5, demi 1 demi. On fait tout simplement assembler les gamètes pour obtenir le phénotype correspondant et on prend en considération que la couleur jaune domine la couleur blanc, c'est-à-dire s'il y a assemblage d'un allèle jaune et d'un allèle blanc, comme c'est le cas dans ces deux cas, dans ces deux cases, il y aura expression du couleur jaune puisqu'elle est dominante. Donc ici, on voit clairement pourquoi on a trouvé 2 sur 3 et 1 sur 3, non pas 3 sur 4 et 1 sur 4. Alors, on a trouvé 2 tiers et 1 tiers, puisqu'il y a une proportion, un quart, qui va être éliminé grâce à la létalité, c'est-à-dire les individus qui portent le phénotype GG, grand G, grand G, G, vont être morts. Automatiquement, et on appelle ça la létalité. Et puisque c'est seulement les individus qui portent le génotype homozygote grand G, grand G qui vont être mourir, on appelle ce cas la létalité récessive. C'est-à-dire, il va y avoir la, la mort des individus qui portent la létale homozygote. Et c'est pour cela on note la létalité comme une exception des lois de Mandel. Donc, les lois de Mendel ne s'appliquent pas dans le cas de létalité. Pour le deuxième cas de létalité, j'ai déjà dit que si l'allèle létale est dominante, tous les individus homozygotes et hétérozygotes vont être mourir. C'est-à-dire, tous les individus qui portent l'allèle létale vont mourir automatiquement. Soit ils sont homozygotes, soit ils sont hétérozygotes. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo de l'étalité dans laquelle je vais traiter ce deuxième cas qui est le cas de l'étalité dominante, le cas où l'allèle qui entraîne la mort est dominante. Donc, merci pour votre attention. J'espère que ce cours va vous aider à comprendre le chapitre de l'étalité. N'hésitez pas de, de poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe et au revoir.